Connaissez-vous l'auteur du premier best-seller de la littérature québécoise et de la littérature canadienne? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, mes impressions de lecture de La détresse et l'enchantement de Gabriel Roy. J'ai déjà lu au moins à deux reprises Bonheur d'occasion de Gabriel Roy, son premier roman publié. Plusieurs années après mes lectures de Bonheur d'occasion, j'ai lu Rue des Chambeaux. Et ce qui m'a marqué, c'est le contraste entre le réalisme social de Bonheur d'occasion et cette écriture poétique, rurale et très belle de Rue des Chambeaux. Plusieurs personnes qui aiment Gabriel Roy, toutefois, m'ont dit que leur œuvre préférée, c'est soit « Ses enfants de ma vie » qui porte sur ses années d'institutrice, ou, justement, son autobiographie « La détresse et l'enchantement ». Gabriel Roy est né en 1909 à Saint-Boniface, au Manitoba, une petite ville francophone. Près de Winnipeg, elle est la dernière de 8 enfants, elle est devenue institutrice, et vers l'âge de 28 ans, elle a ramassé toutes ses économies pour aller faire un voyage en Europe. Elle rêvait à l'époque de devenir comédienne. Elle a passé 2 ans en Europe, à Paris, à Londres et en Provence notamment, et elle a réalisé que le métier de comédienne n'était pas pour elle. Quand elle est revenue, elle a décidé de s'établir à Montréal. Elle a commencé à vivre en vendant certains de ses articles dans différentes revues, dont dans le Bulletin des agriculteurs, qui était le périodique le plus tiré en 1940. Gabriel Roy publie en 1945 le roman Bonheur d'occasion, qui lui vaudra le prix Fémina. Après son mariage, elle retourne passer 3 ans avec son mari en Europe. C'est là qu'elle écrira son deuxième roman, La petite poule d'eau. Elle a passé la majeure partie de sa vie à Québec avec son mari et elle passait ses étés dans Charlevoix, à Petite-Rivière-Saint-François. Entre 1976 et 1983, elle travaille à écrire son autobiographie. Elle réussit à en compléter 2 tomes avant 1983, au moment où elle est morte. Elle a confié le manuscrit à François Ricard, qui avoue n'avoir fait que des petites corrections. Tout là-dedans est tel que Gabriel Roy l'a voulu. La détresse et l'enchantement est donc constituée en 2 principales parties. Dans la première partie, intitulée « Le bal chez le gouverneur », elle raconte d'à peu près de son âge de 10 ans jusqu'à environ 28 ans. Dans la deuxième partie, « Un oiseau tombé sur le seuil », elle raconte son voyage en Europe et les premiers mois de son retour à Montréal. La détresse et l'enchantement, pour moi comme lecteur, et ça n'a été que de l'enchantement. C'est tellement beau. C'est une femme mûre qui fait un retour sur sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle s'est développée? Comment elle en est venue à accepter cette dualité entre elles? D'un côté, une femme joyeuse qui voyait le bonheur partout, qui faisait rire tout le monde. Et d'un autre côté, quelqu'un de solitaire, un peu triste. Donc, comment elle a accepté tout ça? Mais le fil directeur de La détresse et l'enchantement, c'est la découverte de l'écriture. Peu à peu, à plusieurs moments de sa vie, il y a des petites révélations qui lentement l'amènent à cette carrière d'écrivaine. Gabriel Roy est l'auteur du premier best-seller de la littérature québécoise et canadienne. Mais en plus, selon Biron Dumont et Nardou Lafarge, auteur d'une histoire de la littérature québécoise, elle fait partie, avec Anne Hébert et Rina Lanier, des premiers écrivains ou écrivaines, mais dans ce cas-ci, hommes comme femmes, à faire une véritable carrière d'écrivain au Québec. Auparavant, il y avait souvent des grands succès littéraires, mais les auteurs vivaient d'autres choses et ils n'avaient pas une carrière qui s'étirait sur toute leur vie. Ces 3 femmes-là ont écrit toute leur vie et ont vécu de leur plume. Ce qui est beau, c'est que dans La détresse et l'enchantement, sans cesse, elle fait des allusions et nous dit « Ah, ce moment-là que j'ai vécu, c'est ce que je décrirai plus tard dans La route d'Altamont, dans Alexandre Chêne-Vert. » Donc, c'est comme si toute son œuvre devenait des compléments à cette autobiographie qu'on lit, et évidemment, ça nous donne envie d'aller les lire. Et un beau jeu sur le temps. Elle parle de sa mémoire en train de se rappeler. Parfois, elle doit la suivre. Plutôt que de suivre la chronologie de sa vie, elle doit respecter la mémoire qui s'impose. C'est notamment le cas dans le chapitre où elle parle du Cercle Molière et des tournées de spectacles de variété qu'elle faisait dans les villages francophones du Manitoba. En se rendant dans le village d'Otterburn, ils se sont perdus. Et elle écrit « Je ne pouvais pas savoir à cette époque-là toute l'importance qu'aurait Otterburn dans ma vie. » Parce que 6 ou 7 ans avant la rédaction de l'autobiographie, elle est retournée à Otterburn au chevet de sa sœur Clémence, en train de mourir. Et 6 mois plus tôt, elle était au chevet de sa sœur Dédette, la religieuse, Bernadette. Ça devient un chapitre sur les décès de ses sœurs, de sa mère, sur le rapport qu'on a aux gens qui autour de nous partent, sur ce qui reste en nous, sur les regrets de la vie. C'est un sublime chapitre. C'est triste, c'est touchant, mais pas du tout larmoyant. C'est beau. Il y a d'autres retours dans le temps que j'ai trouvé fascinants. Quand elle nous présente quelqu'un qui entre dans sa vie, elle y a une petite phrase ou deux pour dire « Je savais pas que j'allais côtoyer cette personne pendant 25 ans ». Ça, c'est doublement fascinant parce que, vu qu'on n'a pas les 2 derniers tomes de cette autobiographie-là, ça nous donne des éléments de sa vie plus tard.
Mais en même temps, encore une fois, c'est la perspective d'une femme de 70 ans qui regarde l'ensemble de sa vie. Ça m'a donné un effet de calme et de sérénité. On la suit, on ne se demande pas ce qui va se passer, on l'accompagne, on la regarde. Regardez sa vie. C'est une œuvre très contemplative. Donc, contemplative justement parce qu'on la contemple en train de vivre, mais aussi contemplative dans les décors, les paysages et les descriptions. Avec toutes les nombreuses descriptions du grand ciel manitobain des prairies, honnêtement, j'ai pas envie d'aller voir le ciel du Manitoba. J'ai l'impression que j'en ai vu la plus belle expression en lisant ces descriptions dans les textes de Gabriel Roy. Il y a cet espace et cette lumière et l'horizon et les attentes qui étaient liées avec ça et le vent qui balayait les blés, par exemple. De manière générale, j'ai trouvé que dans La détresse et l'enchantement, Gabriel Roy est une poétesse de l'espace. L'espace de ce ciel manitobain, certes, mais l'espace des appartements qu'elle occupe, l'espace de Paris qu'on observe en se haussant sur les pieds sur une table, qu'on observe par une fenêtre dans le toit. Et justement, au sujet de l'espace, elle écrit « J'ai toujours eu besoin pour travailler de faire face à une fenêtre et que cette fenêtre donne sur un aperçu de ciel et d'espace, j'allais dire d'espérance. Appliqué à ma tâche, je ne vois plus le paysage. N'importe. Il suffit que je le sache là pour me sentir réconfortée, emportée, soustraite peut-être à la condition de servitude qui est le lot de tout être, mais encore plus sans doute, quoi qu'on en pense, de l'écrivain, interprète des songes des hommes, mais qui n'y a pas accès à son gré et reste souvent à la porte, à attendre comme un pauvre. » C'est souvent une phrase longue, avec des passés simples, mais c'est pas du tout lourd, c'est très poétique. Évidemment, on n'est pas seulement dans la description extérieure et des événements, il y a une grande intériorité, une grande introspection. Un passage que je trouve qui illustre bien l'ensemble de l'œuvre, tant quant au style qu'au propos, la lente découverte de l'écriture, c'est ce petit passage. Il y a des jours où Paris la malmène, il y a des jours où Paris la flatte, elle est ambivalente par rapport à cette ville-là. Elle est dans un autobus bondé avec plein de gens, la mine renfrognée, qui reviennent du travail, et elle voit un éblouissant rayon de soleil sur un parc, et elle est la seule à le voir et à voir cette beauté-là. Elle écrit « J'eus le sentiment que c'était à moi, l'étrangère de cœur avide, que la ville pendant ce moment s'était livrée plutôt qu'à ses habitants au regard usé. Et je restais sans savoir que faire de mon émerveillement. Combien de fois m'en viendrait-il encore, d'inutile si l'on peut dire, avant que je n'apprenne le moyen de le faire passer en d'autres êtres. Ce que je ne puis oublier, c'est que ce fut très certainement le beau jardin de Paris, illuminé comme par un soleil venu droit de mes prairies, qui illumina en moi le don du regard, que je ne me connaissais pas encore véritablement, et l'infinie nostalgie de savoir un jour en faire quelque chose. » Donc ici, il y a le côté poétique, c'est-à-dire l'étrangère de cœur avide, mais on a cette quête de l'écriture, cette écriture qui deviendra une vocation. Il y a toute sa joie de vivre, son don pour voir la beauté, l'essentiel de son écriture, c'est-à-dire le moyen de le faire passer en d'autres êtres. Une chose m'a surpris. Pendant les années 60, pendant la Révolution tranquille, pendant que la littérature québécoise est en ébullition et qu'elle est très politique, les œuvres de Gabriel Roy remportent un moins grand succès. Gabriel Roy ne se définit pas d'abord comme québécoise, même si elle adorait le Québec et la langue française, elle est d'abord et avant tout canadienne. Elle ne se reconnaît pas dans ce mouvement qui remplit la littérature du politique. Sachant tout cela, ça m'a grandement surpris quand j'ai lu la première phrase de La détresse et l'enchantement. Cette phrase incroyablement politique. Quand donc ai-je pris conscience pour la première fois que j'étais, dans mon pays, d'une espèce destinée à être traitée en inférieur? C'est une phrase presque revendicatrice, mais ce qui est incroyable, c'est que c'est une phrase qui pourrait s'appliquer à tellement de citoyens du Canada aujourd'hui, dans les communautés francophones hors Québec, ou des citoyens autochtones. Donc, il y a une incroyable pertinence politique dans cette phrase venant d'une auteure qui n'est pas particulièrement connue pour le côté activement politique de ses œuvres. Ça m'a estomaqué, mais en même temps, je trouve ça de toute beauté. Vous comprenez que j'ai adoré La détresse et l'enchantement. C'est beau, c'est bon, ça fait quelques jours que je l'ai terminé, ça m'habite encore. J'ai fait des recherches en ligne dans les archives pour écouter des entrevues en français ou en anglais. Avec grand enthousiasme, je suis tombé sur la page de la maison Gabriel Roy à Saint-Boniface. J'ai vu des photos de la fameuse maison qui est ici un personnage. Il y a même, et je les ai pas encore lus, les articles qu'elle a publiés dans le bulletin des agriculteurs. La détresse et l'enchantement, c'est magnifique et c'est une œuvre majeure. Vous, quelle est votre œuvre préférée de Gabriel Roy? Écrivez-le dans les commentaires. Voilà, c'était mes impressions de lecture. Et voici le jeune homme qui a squatté mon manteau pendant que je tournais ma capsule. Aimez, commentez, partagez. Et bonne lecture.